Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les champions. Prêt à affronter Rhino, c'est T'Challa Black Panther qui va s'y coller. En commençant tout de suite par son tirage de main. Une première amélioration, le pouvoir de la protection. Haymaker pour infliger des dégâts. Une autre amélioration. Alors à chaque fois, ils vont me coûter 2. De l'énergie pour 2, ça c'est impeccable. Et puis, dernière carte, Luke Cage en allié. Alors dernière carte, non, parce que je peux avoir une main de 6, mais au tout démarrage pour la mise en place, j'ai le droit à une main de 7 en allant chercher une amélioration dans le deck. Et cette amélioration, c'est le costume en vibranium. Donc là, j'ai le choix. Ben, j'ai le choix de démarrer surtout. Alors, en faisant une dépense d'énergie qui va me servir à payer l'amélioration griffe de panthère là pour faire des dégâts immédiats ou quasiment immédiats, sauf que je n'ai pas la carte Wakanda éternel pour l'instant pour appliquer mes améliorations. Ça viendra ensuite. J'ai quand même Luke Cage hein, qui est balèze. Alors le pouvoir de la protection de maximum par deck, ça on s'en fiche, mais je double le nombre de ressources si je paye une carte verte, une carte protection. Ça me fait 2 sur 4. Allez, 3 sur 4. Et puis, je vais sacrifier, c'est pas grave, une énergie, une ressource pour pouvoir payer Luke Cage. Allez, je sacrifie le costume en vibranium pour l'instant. Donc là, Luke Cage est payé. Il peut rentrer en jeu tout de suite. Il a ténacité. Donc la première fois qu'il va être attaqué, il ne subira aucun dégât. C'est toujours ça de prix. Ensuite, ben là, je ne vais plus avoir de cartes à jouer. Si ce n'est que Cage va attaquer Rhino une première fois. Pour 2 points de dégâts, il se prend 1 en retour. Et puis, je vais passer en forme de héros pour pouvoir faire moi aussi 2 dégâts à Rhino. Il va tomber à 10 et il ne faut pas que j'oublie qu'à chaque fois que je vais subir une attaque, je vais infliger un dégât au personnage attaquant tant que je suis sous forme de héros. Alors j'ai fini, je me redresse, je complète ma main cette fois-ci à 5 avec encore la ressource génie. Wakanda éternel, ça c'est bien, ça va peut-être me coûter une ressource, mais au moins je pourrais jouer. Ah, Black Widow et Mockingbird, les alliés à la rescousse. Ok, bah c'est fini pour moi. Rhino, tu peux maintenant t'exprimer avec ta première menace. Ensuite, ton attaque, alors oui, on doit décider avant si on défend ou pas. Ben là, sans problème, je vais défendre avec Luc. Donc, Luc se prend 2 dégâts de base, plus la valeur du boost de 1. Il est censé se prendre 3. Mais grâce à la ténacité que je défausse, il ne se prend à rien. Mais par contre, il est incliné, je ne vais pas pouvoir le réutiliser lors de mon tour. Maintenant, la rencontre de Rhino. Ce liguer, c'est une traîtrise. Sous forme de héros, le méchant et chaque sbire engagé avec moi m'attaque. Ah, ok, donc il initie une attaque. Je vais me protéger. Je défends de 2. Rhino attaque à 2 plus le boost de 1. Je me prends quand même un dégât. Alors je suis peut-être à 10, mais Rhino vient de tomber à 9 parce que, en retour, c'est une riposte. Je lui ai infligé quand même un point de dégâts en retour. Parfait.
Rhino a fait ses trois actions, menace, attaque, rencontre. On reprend la main. Bon, alors là, sans hésitation, je vais dépenser deux ressources pour faire rentrer l'amélioration génitactique qui me coûte 2. Ici, et maintenant, je vais payer le Wakanda éternel. Ça coûte 1, je défausse Black Widow. Mais avec le Wakanda éternel, je vais résoudre une séquence en commençant par faire un retrait de une menace sur une manigance, donc la manigance principale. Et ensuite, je vais infliger 4 dégâts parce que c'est la dernière étape de ma séquence avec le Wakanda éternel. Donc j'inflige 4 dégâts à notre ami Rhino. Là, il se retrouve à 5. Il n'y a plus de manigance, alors on va peut-être stopper les dégâts pour l'instant. Je me mets quand même sous forme d'alter ego. Alors là, moi, j'ai plus que fini. On va pouvoir redresser tout ça et je peux passer à une main de 6. Les ressources, on va les mettre ici. Du vibranium pour 2. Tiens, Nick Fury. Alors, il est cher, mais par contre, son pouvoir est assez sympa. L'équipe médicale restée derrière moi et une autre, le manoir des Avengers. 2, 4, 6. Là, c'est bon pour moi. Eh bien, Rhino, vas-y. Vas-y, avec, premièrement, ta manigance. Ensuite, tu vas remanigancer puisque je suis sous forme d'alter ego. Donc là, je n'ai pas le choix que de subir. Donc de base, 1 plus 2. Aïe, 3. 3 d'un coup. 5 sur 7, pas bien. Pas bien du tout. Maintenant, ça rencontre. Je suis balèze. C'est une traîtrise. Donner une carte d'état tenace. Donc tenace, il ne va pas subir de dégâts lors de la prochaine attaque, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle provienne. Je vais la mettre là pour ne pas oublier. Rhino a fini. À moi, à moi, à moi. Eh bien, je vais faire appel à Nick Fury. Alors par contre, il va coûter 4, Nick Fury. Je vais déjà le mettre ici et le payer avec 2 vibranium. Le manoir des Avengers pour N+, et puis rester derrière moi. Ça fait bien mon quota de 4. Alors, particularité... Quand Monsieur Fury rentre en jeu, je choisis une option où je retire 2 menaces, je pioche 3 cartes, j'inflige 4 dégâts, et à la fin du round, il sera défaussé. Bon, bah la priorité à la menace. Hein. Donc je retire 2 menaces de cette manigance. Déjà. Et ça, c'est juste l'effet que Nick soit rentré en jeu. Après, quitte à le perdre. Je vais m'en servir tout de suite pour contrer, de façon à faire tomber la menace principale à 1. Luc, tu vas attaquer, dans le vide certes. Il se prend en deuxième point de dégâts. Rhino ne se prend aucun dégât, on vire tenace. Il me reste quoi ? Mockingbird que je ne peux pas jouer, l'équipe médicale que je ne peux pas jouer, mes améliorations sous forme de Black Panther ne me servent pas, mais par contre, est-ce que je ne vais pas... Ouais, l'attaquer. Allez, je l'attaque aussi, ça lui fait tomber à 3 points de vie. Bon, on se rapproche de sa phase 2. C'est presque fait. Le souci, par contre, alors, une chose à ne pas oublier, Fury a agi, il perd 1 point de vie. Là, c'est la fin de mon tour. Je redresse tout ça, mais Fury, lui, est défaussé quoi qu'il arrive. Là, je ne peux avoir une main que de 5 avec une contre-attaque au point. Alors, c'est un événement qui ne me coûtera rien. Et c'est après avoir été attaqué. Sinon, une amélioration sous forme de veste blindée
ou le pouvoir de la protection si je joue une carte verte. Ça va me générer deux ressources. Bah, le contre-attaque au point, je vais le mettre devant tout de suite parce que on va l'utiliser très rapidement. C'est un rhino de fer avec un de menace. Ensuite, il m'attaque. Alors, s'il m'attaque, après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, je vais m'incliner forcément pour me défendre. Rhino attaque à 2 plus 2, 4. Je me prends quand même 2. Mais Rhino, en contrepartie, se prend 2 dégâts. Rhino 1, Black Panther 8. C'est bien. C'est bien, mais j'ai déjà perdu de nombreuses fois parce que la gestion du compteur de points de vie aura été catastrophique. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Maintenant, la rencontre. Il m'envoie un mercenaire d'Hydra. Pas de manigance, mais un d'attaque. Et ce sera un garde tant qu'il est engagé avec Black Panther. Je ne peux pas m'attaquer au méchant. Bon, bah Luc va s'en occuper. 3 points de vie, c'est pas bien. C'est pas bien méchant, ça. Là, j'aimerais bien avoir un petit peu de soutien pour ce nouveau tour avec l'équipe médicale qui me coûte 3. Je peux générer 2 grâce au pouvoir de la protection puisque l'équipe médicale est une carte verte. Et je complète avec la veste blindée. Je sacrifie pour prendre la ressource. Donc là maintenant, j'ai une équipe médicale. Alors, elle rentre en jeu avec ses 3 jetons. Ce qu'on va faire, sans aucun risque, on guérit sur le terrain Luke Cage. Je perds un jeton, mais ça en vaut le coup. Donc, je l'incline. Mockingbird, on ne s'en occupe pas. Luke Cage, lui, va attaquer le sbire, le mercenaire, pour lui coller 2 sur 3. C'est déjà ça. Ah, il manque un petit point et je ne peux pas m'en occuper. Bon, bah tant pis. Fin pour Black Panther. Redressement de tout ça. Et puis, je complète la main. Est-ce que je vais le laisser me réattaquer? Oui, vu que Cage est guéri. On y va. Un héliporteur. Inébranlable en amélioration. Seconde inébranlable. Et ah, Wakanda éternel. Ça, c'est bien. Je vais pouvoir agir. Alors oui, la question à laquelle je n'ai pas répondu, c'était est-ce que je reste en Black Panther? Ou pas. 8 points de vie sur 11. Sachant que je peux me soigner avec 4 sous forme d'alter ego. Non, on va absorber, j'ai l'équipe médicale en jeu. On va tenter d'absorber. Par contre, il y a encore le mercenaire là. Je laisse comme ça, Rhino, vas-y. Fais-nous voir mon gros Rhino féroce avec 3 en menace principale. Ensuite, il m'attaque d'abord. 2 plus 2, 4. Aïe, aïe, aïe. Bon, je prends. Hein. Je prends parce que là, ça va déclencher quelque chose. D'une part, lui va tomber à 0 grâce à ma riposte. Je ne m'incline pas. Par contre, là, moi, je tombe à 4. 4, c'est fait. Mais ce que ça déclenche, oui, c'est que Rhino tombe à 0. On passe en phase 2. Un grand pas vient d'être accompli. Alors maintenant, il va attaquer à 3. Mais par contre, on va mettre en jeu sa manigance annexe, casser et emporter. Son deck rencontre est remélangé après avoir sorti cette carte-là. C'est une manigance annexe qui possède 2 menaces. Et par contre, une carte rencontre supplémentaire à chaque fois qu'il va faire sa phase de rencontre. À dégager en priorité. Là, ça fait 2 cartes entre le mercenaire et puis la manigance annexe. 2 cartes qui m'embêtent tout de suite, là maintenant. Alors, je vais lui remonter son compteur de points de vie à 15 points de vie puisqu'il est sur sa phase 2. Je vais tout de suite faire la rencontre, ou plutôt les rencontres, puisqu'il y a cassé et emporté. Aïe, 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 contrôler la foule.
Manigance annexe. Ça rentre aussi avec 2 et c'est une crise. Je ne peux pas faire autre chose que de m'occuper de ce contrôle de foule. Bon, il n'y en a que 2 menaces à virer, mais enfin quand même, ça va me faire perdre énormément de temps, ça. Et de 1 et de 2, et puis la seconde rencontre, c'est un assaut traîtrise. Sous forme de... Oh là là, j'en prends plein la tronche. Le méchant vous attaque. Ce sera peut-être sa dernière attaque. Alors, Cage, là, je l'incline et il me protège parce que je ne suis toujours qu'à 4 points de vie. Il attaque à 3 plus rien. Bon, Cage quand même subit 3. Ok, c'est à nous de faire. Bon déjà, urgence médicale. Allez, mon équipe me rejoint et me remonte à 6. C'est pas dingue, mais ça permet d'aller voir plus loin. Cage, je ne peux plus m'en servir, il va falloir que je fasse tout seul dans mon coin. Mais j'ai quand même le Wakanda, ça il faut que je le joue. Donc, je sacrifierai ça pour 1. Et après, il me faudrait 3. Ou alors, je fais rentrer Inébranlable. Ouais, je vais le tenter comme ça. Je fais rentrer en jeu d'abord Inébranlable. En payant avec l'héliporteur. Et ensuite, bah Mockingbird, désolé, hein, jeune fille, mais pour l'instant, je ne m'intéresse toujours pas à toi. Je paye le Wakanda éternel et il va falloir que je choisisse la séquence qui va bien. Retirer 2 menaces si c'est la dernière étape de la séquence. Bon, alors je vais déjà commencer par infliger 2 dégâts au mercenaire. Ça permet de le virer. Cage pourra s'occuper des attaques sur Rhino. Et maintenant, je retire 2 menaces, puisque c'est la dernière étape de la séquence, en étant obligé, par contre, de contrôler la foule. Donc, elle, au moins, elle vire. Mais par contre, je vais toujours me taper les 2 cartes rencontre. Sauf si je contre avec Black Panther. Là, ça me permet de virer ça et ça. Voilà qui est fait, et j'en aurais bien terminé quand même. Alors, est-ce que je passe en alter ego ou pas? J'ai 6 points de vie, j'ai encore Cage qui a 2 points de vie de battement. Ça me permettrait de me soigner, j'ai l'équipe médicale. Ouais, allez, on va passer comme ça. Donc là, je reste incliné, j'ai ça de mon côté. Ce qui est quand même pas mal. Et sous forme d'alter ego, je monte à 6. Ah, les dagues énergétiques, amélioration du vibranium. Et un chat qui vient aider Black Panther. Alors ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Mais je vais lui expliquer que ça n'est pas possible. Voilà, le Black Cat est viré. J'en étais à dire que une autre équipe médicale. C'était mon tirage pour compléter ma main jusqu'à 6, avec aussi événement d'urgence, quand il manigance. Ah ben c'est parfait ça. Ça c'est bien. Parce que si je la joue quand il va manigancer, je diminuerai de 1. Ça je me le laisse. Ici, sinon, bah, la cité dorée, ouais. Le vibranium, on l'a vu, les dagues énergétiques, ok, et puis l'équipe médicale qui pourrait remplacer celle-ci. Bien. Je ne me redresse pas, je ne peux pas. Par contre, Rhino, vas-y, avec. Première manigance. Ensuite, il manigance à 1 plus 2, 3 moins 1. Il manigance à 2 quand même. Donc, il est à 6. Ouh, aïe, aïe, 6 sur 7. Voilà comment on peut se faire piéger très rapidement. Il suffit qu'une carte rencontre le fasse remanigancer et c'est foutu. Bah d'ailleurs, c'est maintenant la rencontre. Alors heureusement, j'ai plus qu'une carte. Une fois révélé, Rhino se soigne de 4 dégâts. Bah, excellent. Il ne peut pas. Ah bah c'est parfait. Si aucun dégât n'est soigné, cette carte gagne renfort. Donc on repioche une rencontre. Aïe, 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 je suis malaise.
Donner une carte tenace à Rhino. Encore? Il en a deux alors. Deux tenaces, donc il ne subira pas de dégâts à la prochaine attaque. Je reprends la main. Alors je reprends la... D'une part en me redressant parce que fin du tour, on ne redresse pas seulement nos autres cartes, mais on se redresse nous. J'ai aussi recollé le point manquant, le point de dégâts manquant à Luke Cage. Pour le reste, je pense que je suis bon. Alors, à ce tour-là, l'équipe médicale, j'hésite. Si j'arrive à gérer toute la manigance, je peux retarder le moment et les soins, ça va servir à Luc. Mais le problème, c'est que là, il y a trop de manigances. Il me faudrait un allié qui va contrer. Alors, à part Mockingbird et puis mes améliorations, mais je n'ai plus de Wakanda. Donc, pas évident là. Pas évident, ceci dit, priorité à la menace. Si je reste sous forme de alter ego à sa phase, je perds. Je perds de toute façon, que je sois en alter ego ou en héros, puisque à première action de Rhino, ça va être de faire rentrer une menace en plus. Il sera à 7 sur 7. Donc, priorité à la menace, et il faut que je passe en héros. Obligatoirement. Mon équipe médicale, là, qui est-ce qu'elle soigne? Cage, c'est ballot quand même. Si, je vais soigner Cage quand même. Parce que bah, il va tomber à... Il retombe à 2 points de vie. Ce qui est toujours ça de prix. Il a un petit contre, mais ce qu'il va faire, il va attaquer Rhino pour permettre la défausse de la ténacité. Ça, c'est fait pour Luke Cage. Ensuite, avec Inébranlable, je me ferai attaquer en étant en forme de héros. Donc je pourrais me redresser quand même si je défends, et je serai obligé de défendre. Je contre à 2, ça va pas être suffisant, à quoi que après il va m'attaquer, donc pour l'instant ça temporise quand même vachement bien. Je n'ai pas de Wakanda éternel, on a dit, à jouer. Par contre, qu'est-ce que je vais faire rentrer en jeu? Le Vibranium pour payer la Cité Dorée. Ça fait 2 ressources libres. Je mets en jeu le soutien Cité Dorée que j'incline tout de suite pour piocher 2 cartes. Ah, un Wakanda éternel, il va là. Et restez derrière moi quand une carte traîtrise est révélée, mais ça coûte 1. Amélioration centre médical. Waouh, bon. De toute façon, là, il va falloir que je l'attaque. Ah ouais, lui, il se prendra un dégât d'ailleurs. Bah, je peux peut-être commencer sérieusement à l'entamer. Hein. Allez, je défausse. Restez derrière moi pour payer le Wakanda éternel et entamer ma séquence d'attaque. Alors, infliger 2 dégâts ou 4 si c'est la dernière. Donc, je vais faire première étape, retirer une menace ici. Et ensuite, je finis avec mes griffes de panthère pour infliger 4 dégâts à Rhino qui tombe à 11. Ok, par contre, Luc, ça, il ne faut pas que j'oublie, il a resubi son dégât suite à son attaque. 3 sur 5, je pourrais faire rentrer les dagues énergétiques. Pourquoi pas? Pour 2, donc je virerai ces 2 là, ou je les garde et puis on avise après. Ouais, je garde. Maintenant, si j'ai fini, je redresse tout le monde. Et c'est à Rhino de faire. Alors, il repasse à 4. Ensuite, il m'attaque. Je défends. Après que votre héros a défendu, défaussé inébranlable, et je le redresse, donc il va rester redressé. Je défends à 2, il m'attaque à 3 plus 2, 5, je me prends 3 quand même, et lui se prend 1. Ah oui,
3 pour moi, 10 pour lui. Là, c'est chaud parce que la menace, on n'est pas loin de 7 et les points de vie, je suis pas loin de 0. Mais il me reste quand même Luc et de quoi piocher de la carte. Rencontre, alors faudrait pas qu'il réattaque. Une fois révélé, infliger un dégât à chaque héros. D'accord. Donc là, je vais retomber à 2. Tout ça parce que Shocker rentre dans la danse. Est-ce que tout a été fait avec Rhino? Il a manigancé, il m'a attaqué et j'ai fait la rencontre. Bon, il a 3 points de vie, Shocker. Ça veut dire que je reprends de nouveau le contrôle de mon destin. Alors je reprends, oui, mais j'avais peut-être juste zappé de me redonner 2 cartes. Ah, encore un Wakanda éternel, ça c'est cool. Voilà, et là je suis à jour sur le tour qui vient de s'écouler. Nouveau round. Bon, alors là ça m'intéresse grandement parce que Rhino n'a plus que 10 points de vie. Il a 10 points de vie. Luke Cage, je peux le sacrifier, il a 2 en attaque. Il tombe à 8, moi j'attaque, ça fait 2. 2, il tombe à 6. Grâce à mes griffes, je peux le faire tomber à 2. Ah, c'est pas vrai qu'il va manquer 2 points de vie à lui faire. Alors, on va commencer par faire appel à la Cité Dorée, qui nous permet de repiocher 2 cartes. Connaissance ancestrale. Choisissez jusqu'à 3 cartes différentes dans la défausse, mélangez-les dans le deck. Ouais. Si, c'est bien. Force. Oh, ouais, ça me donne 2 ressources. Bah, c'est carrément bien même. De toute façon, il me faudrait une ressource pour payer le Wakanda. Contre-attaque au point après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, infligez à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque. Ça veut dire que si je reste sous forme de Black Panther, je peux éliminer Rhino. Est-ce que mon raisonnement va être juste? Et peut-être qu'il va me dézinguer. On va s'auto-dézinguer tous les deux. Genre mutuellement, quoi. Ce serait le mot qui conviendrait. Ou alors, choisissez un joueur, infligez un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur, c'est-à-dire moi-même. Ah, alors, on y va. Avec force. Je paye 2 pour rentrer en jeu. Nouvel élément de séquence. Amélioration. Les dagues. Je vais faire attaquer tout de suite. Je fais attaquer tout de suite Luke Cage sur Rhino. Donc Cage se prend 1, il est à 4 sur... 5. Je ne m'occupe pas de Shocker, j'ai absolument aucune obligation envers lui. Et de 8. Ensuite, moi j'attaque. J'attaque à 2. Et de 6. Ensuite, il faut que je joue Wakanda éternel. Allez. Ouais, de toute façon, j'aurai plus assez de cartes après. Donc, Mockingbird me sert pour une ressource à payer le Wakanda éternel qui me sert à déclencher ma séquence en premier. Alors, s'il s'agit de la dernière étape, je fais d'abord retirer une menace d'une manigance. Deuxième étape, j'inflige un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Un ici, Rhino tombe à 5, c'est pas assez. Ensuite, j'inflige 4 dégâts parce que c'est la dernière étape de ma séquence. Rhino tombe à 1. Ça va être un petit peu chelou de gagner comme ça, mais... Mais, dites-moi, est-ce que je vais vraiment la gagner? Oui, c'est impossible que je perde là. Après, ça c'est une contre-attaque. Ouais, bah si, c'est bon. J'ai gagné, mais alors c'est intéressant de voir comment ça va se goupiller l'affaire. Je ne peux pas faire rentrer mon équipe médicale en jeu. Ça va être un contre
que je place là parce que je vais le jouer. Vas-y, Rhino, ramène ta corne. Fin de mon tour. Tout le monde se redresse. Je repasse à 5 cartes. Une équipe de surveillance. Inébranlable, c'est une amélioration. Et persévérance, aussi une amélioration que je ne pourrai pas jouer. Pas grave. Rhino, vas-y. En 1, tu manigances. Mais là, tu es faible. Tu as le souffle court, mon petit gars. Ensuite, je suis en héros. Tu m'attaques. Luc prend tout. Alors, attention, riposte. Après que ce personnage a été attaqué, infligez un dégât au personnage attaquant. C'est un petit peu une phrase différente que la phrase que possède Spider-Man sur sa carte. Et si je me rappelle bien, c'est quand un méchant initie une attaque. Alors que là, il faudrait que ce soit Black Panther lui-même qui subisse. Alors si je subis, Rhino attaque à 3 plus 1. Il attaque à 4. C'est fou ça. Je m'incline pour me défendre. Je tomberai à 0. Mais grâce à ma riposte, après que ce personnage a été attaqué. Oui, alors. Il m'attaque, je tombe à 0. Ouais, ça c'est vache. Je suis censé gagner. Je suis censé perdre. Mais je lève mon poing dans un élan de courage et de force et je le fais tomber aussi à 0. On est comme debout sur un trottoir. On se regarde, la tronche en sang. Shocker se tire. Alors ceci dit, ma contre-attaque au point là. Réponse attaque. Après que votre héros a défendu contre une attaque, c'est ce que je viens de faire, infligez à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque. Ouais, ça ne change rien sur cette parfaite égalité. C'est dingue ça, c'est la première fois que ça m'arrive sur une dizaine de parties. Parce que j'utilise ceci dit ma riposte à 1 ou mon contre au point, ça équivaut à exactement la même chose. Hein. On se retrouve tous les deux à 0. Alors pour la beauté du geste, je vais quand même le mettre comme ça. Et là non, je ne vais pas considérer que j'ai perdu parce que tout ça c'est un pur enchaînement. Même avantage au super-héros, je considère que j'ai gagné. Hein, j'ai le droit. Ouais, j'ai le droit. Bravo, Black Panther T'Challa. Super partie. J'ai pas fait trop d'oubli normalement. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, cette confrontation incroyable entre Rhino et Black Panther. S'il y a eu de grosses erreurs, eh bien, je ne manquerai pas de les noter, tout du moins celles que je verrai au fur et à mesure. Mais normalement, on est bon. Luke Cage, là, vous voyez, il s'est écoulé quoi, 5 minutes, je ne sais même plus si je lui avais mis son point. Bon, peu importe, la partie est finie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On finit ici ce nouveau numéro du Marvel Champions Show. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors là, ça va me faire bien grand plaisir. Parce que je ne pensais pas, lorsque j'ai cliqué pour valider mon achat sur Marvel Champions, je ne pensais pas trouver un moyen de le personnaliser. Eh bien si, j'ai pu le faire. Donc, les prochaines parties que vous verrez, ce sera avec du décor. Absolument. À très très vite. Salut salut.